Bon, parce que l'Esprit de Saline dans le Sud décide jeudi à faire une rencontre formation, endoctrinement avec jeunes Esprit de Saline dans le Sud là, avec dirigeants partis au niveau commune qui est dans le département Sud là. Nous avons deux thèmes qui ont été développés, c'est orientation professionnelle avec attitude politique. Donc, et c'est M. Anthony Zamor qui a présenté tous les thèmes ça, qui a développé tous les thèmes ça pour nous. Donc, nous estimons qu'il est nécessaire pour nous présenter parce que l'important pour que les gens connaissent comment pour orienter au plan professionnel, surtout les jeunes, c'est très important pour les jeunes sont capables d'orienter. Parce que le plus souvent, les gens dans la classe terminale, ils ne sont presque pas capables d'aller. Eh bien, intervenant, il y a quelques conseils comment vous êtes capable de mieux orienter par rapport à marché du travail. Okay? Et puis, après ça, attitude politique, il est important pour les gens qui font politique, ou former ou endoctriner. Vous connaissez pour qui sont fait politique, vous connaissez que l'on vient dirigeant tout, comment vous comporter. Eh bien, c'est ça que fait, nous avons fait formation ça, pour dirigeants parti, que ce soit c'est la jeunesse, que ce soit c'est les responsables communaux. Nous avons gagné avec nous là quelques entités qui représentent quelques entités dans la ville de Saline. Par exemple, le mouvement mondial des Saliniens qui est représenté là, qui sont entités dans la ville de Saline. Nous avons gagné Winapa qui est représenté là, représenté le département de Winapa, mais c'est le dimanche, il était là ensemble avec nous. Nous n'avons pas fait ce que là ouvrir. C'est mon petit de Saline qui était là, c'est jeune esprit de Saline avec mon parti politique de Saline qui était là. Nous ne pouvons pas faire pour inviter. Donc, dans le mois d'août, là, nous avons fait pour l'autre monde. Mais à présent, c'est un sec fermé. Nous, dans le temps, petit de Saline, nous avons fait une rencontre. Est-ce que nous avons visé? Oui, c'est normal, nous obligé de faire la conjoncture à Limandel. Limandel, parce que nous sommes en situation de transition, nous sommes en période de réforme constitutionnelle. Eh bien, c'est normal, il faut que nous endoctrinions les membres, il faut que nous formions les membres, il faut que nous familiarisions avec eux tout. Donc, pour que nous soyons capables de jouer une synergie que nous devons jouer, nous soyons capables de jouer une étape que nous devons jouer pour nous capables de traverser la période de transition. Vous parlez des petits visages, je veux dire, qui réunissent avec la jeunesse. Est-ce que c'est tout le département qui est dans le sud-là ou bien tout le département qui est dans le sud-là qui réunit les jeunes? Nous, je veux dire, nous avons 20 communes. Nous avons un représentant de la jeunesse qui représente les 20 communes du département du Sud, à raison de une par commune, coordonnateur ou coordonnatrice. Là. Comme nous avons constaté avec nous là, coordonnatrice et coordination du département de la jeunesse qui est là. Qui là. Yeah, qui est à gauche nous. Donc, nous avons tout. Et représentant jeunesse vite dessaline dans la commune Okaï. Donc, ce n'est pas seulement représentant dans la commune Okaï vraiment, mais il y a quelques jeunes qui sont dans la commune Okaï qui sont là. Nous avons représentant vite dessaline, jeunesse vite dessaline dans la commune Kavayon, nous avons qui là. Mais représentant dans la commune Okaï là, qui c'est camarade de Gan Gozon qui là. Nous avons représentant Kampéréen, donc qui là, qui c'est camarade de Mamatias qui là, qui fait partie des coordinations départementales parti vite dessaline. Donc. Ok, avant de finir, un peu, qu'est-ce que moi je salue parce que tu es président de l'ambassade américaine? Oui, et c'est un droit que nous avons pour le critiquer, mais tout, c'est un droit que nous avons tout pour nous faire explication. Donc, sénateur Maurice Jean-Charles n'a pas oublié, il n'a pas vivre dans un sec fermé. Le Parti politique de Saline n'a pas vivre dans un sec fermé. Donc, l'ambassade américaine, donc, il représente un pays qui est voisin par rapport au pays d'Haïti, un pays que Haïti a appelé pour le faire relation diplomatique ensemble avec lui. Sénateur Maurice Jean-Charles n'a pas oublié, c'est un monde qui a appelé pour le gagner, pour diriger la magistrature suprême du pays. Il doit parler avec tout le monde. Eh bien, son signal que sénateur Maurice Jean-Charles voyait donc à tout le monde que lui-même est prêt, depuis ce qu'on est là, pour le chita, pour parler avec tout le monde, et l'arrivée au pouvoir tout, pour parler avec tout le monde dans l'intérêt du pays d'Haïti. D'accord? Donc, nous, comme nous avons constaté, le président américain, il était chita avec le président Wyss. Donc, qui sont censés être deux pôles opposés. Et bien, bah, pour qui ça? Nous autres, en Haïti, qui gagne sénateur Maurice Jean-Charles comme leader peuple haïtien, il n'est pas capable d'aller dans l'ambassade américaine, dans un rendez-vous qui est important. Ça ne veut pas dire que sénateur Maurice Jean-Charles livré parti politique de Saline. Ça ne veut pas dire que sénateur Maurice Jean-Charles livré peuple haïtien. Mais il traduit que Maurice Jean-Charles prêt pour chita avec tout le monde comme il dit. Et ce n'est pas sans raison. Où elle est allé au Honda, il était allé regarder comment il était résoudre la guerre civile qui était fait environ 20 ans, qui t'a trop donc moun et Rwanda donc et l'autre en Haïti il demande tout haïtien en chita ensemble dans intérêt Haïti
malheureusement majorité secteur pas fait, elle continue même avec même lancer ça, l'équipe de bâton pèlerinage pour dire que tout leader politique économique en mettre nous ensemble pour nous éviter ça gain là, nous gantan là dans déjà dans situation de chaos à côté que et bandi remplacer la police côté que moun pa ka sécurité dans pays ya, et mais Maurice Jean-Charles livre ici ça pour dire que livre pour chita avec tout monde qui ka aider une stratégie pour nous retirer haïtien dans maras économique et politique qui est venu aujourd'hui là. Et il y a pas Maurice Jean-Charles qui nous dit secrétaire général là, président Maurice Jean-Charles, il toujours dit livre pour chita même avec Lucifer, il suffit pour intégrer pays d'Haïti. Alors, on pas avec raison pour l'autre monde à critiquer le sénateur a du fait que la l'ambassade américaine et pour que ça ne pas critiquer Emmanuel Macron qui est président français a le rencontre avec Poutine, pour que ça ne pas critiquer Joe Biden qui est président américain le rencontre avec Poutine alors que en guerre et président et Moïse Jean-Charles il pas en guerre avec américain, il a défendre un intérêt qui c'est intérêt pays d'Haïti et quel que soit pays a président Maurice Jean-Charles, il est prêt pour chiter avec lui depuis ses points intérêts pays d'Haïti.